Donc là, c'est une animation genre KL, c'est ça? Bah, c'est une animation de vitesse, ouais, c'est ça. Animation d'initiation et de sensibilisation à la vitesse, voilà. C'est un mini KL, on va dire, un mini KL. Bon, et comment ça vous est venu cette idée? Vous faisiez du KL, vous aussi? Ben moi, je fais du KL, j'en fais toujours. Je suis accessoirement, je détiens le record du monde de vitesse en monoski. Et puis, j'ai eu l'idée de faire partager cette passion aux gens. J'avais envie que les gens puissent se rendre compte de leur vitesse quand ils skient. Et sur les pistes de ski, il n'y a pas de chrono, il n'y a rien. Et quand vous voulez faire des acrobaties, vous allez dans les halfpipes. Vous voulez faire des gros sauts, vous allez dans les big air. Vous tirez la bourre, il y a les border cross, mais en vitesse, il n'y a rien. Donc, j'ai créé cette animation il y a presque 15 ans maintenant. Et donc, j'ai trouvé des sponsors, j'ai acheté du matériel. Et j'ai démarché les stations en proposant mon animation. Et puis bah voilà, et ça permet aux gens de faire de la vitesse sur une piste qui est réservée à cet effet. Il y a des filets, c'est en toute sécurité. Donc le but est double, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on va beaucoup plus vite qu'on ne pense, qu'on met son casque quand on skie, parce que les gens quand ils skient souvent ils mettent pas le casque, et une chute à 80 ou 90, voilà. De faire prendre conscience que le plus dur c'est pas d'aller vite, c'est de savoir s'arrêter. Mais c'est aussi des gens qui ont envie d'aller vite, mais qui savent pas à quelle vitesse ils vont, de le faire sur une piste réservée. Comme là on est sur le stade, regardez, là tous les petits jeunes ils sont à 100, 110, 112, et ils prennent pas de risque parce que c'est les seuls sur la piste. Voilà. Alors c'est quoi le record de la station ici? Alors le record de la station c'était il y a 2 ans, je crois qu'on était à 123 km/h. Alors là la neige est froide, donc on est à 112 ou 115 aujourd'hui. Peut-être que ça va augmenter au fur et à mesure, mais comme il a neigé hier, la neige elle est un petit peu collante. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres stations où il y a peut-être plus de pente sur l'animation que vous faites et les gens vont plus vite. C'est quoi le record de toutes les stations? Alors le record de toutes les stations, alors je l'ai fait à Serre-Chevalier, bon, alors, c'est où j'habite. À Serche, on était monté à quasiment 150, mais alors 150 km/h, c'était sur le stade, mais celui qui l'avait fait, c'était Luc Alphand, notre champion du monde, voilà, Luc a fait. Mais sinon, on est en gros entre, il y a des animations dans le Jura, par exemple, et puis à Tignes, c'est où je vais, on est entre 130 et 140. Voilà. Mais sinon, moi, l'animation, le but, c'est pas d'aller forcément à 130, 140. Il faut que ça soit accessible à tout le monde. Donc, la plupart des pistes sont des pistes vertes ou des pistes bleues. Et on va entre 80 et 100, 110, comme aujourd'hui. C'est le profil idéal. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc ça plaît. Bah, ça plaît, ouais, ça plaît, parce que tout le monde aime la vitesse. Et là, vous donnez la possibilité de le faire. C'est gratuit. Il y a des petits bonbons Haribo en plus en cadeau. Et c'est gratuit. Et puis, il fait beau. Et les gens aiment la vitesse et ils se prennent au jeu. Là, il y a les gamins du club. Aujourd'hui, on va faire entre 800 et 900 passages. Donc, super. Merci beaucoup. Bah, de rien, merci. Et puis, à vous de venir essayer. Ouais. Et donc, le soir. Allez. C'est que t'arrives. On avait 10 ans, allez, 10 ans. Mais j'étais pas là. Allez, 1, 2, 3.